Je voudrais remercier tout d'abord les membres du jury, la Fabrique culturelle, le CMCC, évidemment, pour ce prix-là. Quand on commence à créer quelque chose ou quand on écrit, même quand on est choisi par une maison d'édition et puis qu'on a une certaine reconnaissance de la part d'un éditeur, d'un directeur, directrice littéraire, on ne s'imagine pas que ce qu'on fait va avoir un impact, qu'on va pouvoir avoir une autre reconnaissance. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment tout un honneur pour moi. Je tiens à remercier donc les éditions de Mortagne, Joanne Prudhomme, qui est ma directrice de thèse, et puis je travaille sur ces thématiques-là dans mes études, comme ça a été mentionné, et elle m'aide beaucoup à changer ma manière de voir la science littéraire, donc ce qui fait que ça change aussi ma manière d'écrire mes livres. Je voudrais remercier aussi des gens qui ne sauront jamais que je les ai remerciés, mais j'y tiens quand même. Je fais beaucoup de salons du livre, avec le forum et puis tout ça, j'entre en contact avec beaucoup de jeunes, beaucoup de parents. Je tiens à remercier ces personnes-là de m'approcher, de me raconter leurs histoires et puis de me dire à quel point mes histoires vont changer quelque chose pour eux. Si vous saviez le nombre de parents qui viennent et puis qui disent « Merci, vous avez sauvé la relation que j'ai avec mon fils, avec ma fille. » merci, vous avez sauvé la relation que j'ai avec un frère, avec une sœur. Je comprends davantage, j'accepte davantage, j'ouvre mon esprit à certaines réalités qui apparaissaient vraiment impossibles auparavant. Et puis, il y a des jeunes qui viennent me dire, qui disent que j'ai pu peut-être leur sauver la vie, d'une certaine manière. Donc, oui, j'écris en partie pour moi, j'écris pour être lu. Mais quand on reçoit cette espèce de reconnaissance-là, et puis le beau mot francophone ici, le beau feedback de la part des adolescents, ceux qui sont en train de construire leur identité, qui ont quelques années de plus que mon fils, et puis qui pourraient ne pas être là, c'est tout un cadeau, donc merci beaucoup.